comment vous allez aujourd'hui? C'est un épisode un peu spécial du podcast du Teto, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu le colis du swap des podcasteuses. Comment? Moi je sais qui me l'a envoyé. Joli paquet. Voilà, alors c'est Sarah. D'après ce que je vois, ça vient du sud de la France et je ne connais qu'une seule Sarah podcasteuse. Il me semble que c'est ma petite paupiette. Donc voilà, bon, j'espère que c'est bien ça. En tout cas, je suis super contente. Elle a commencé ses podcasts à peu près en même temps que moi, je crois, enfin un petit peu avant. Et j'aime beaucoup ses podcasts, donc je suis vraiment très très contente et je suis complètement excitée. J'ai l'impression d'être une gamine. C'est-à-dire que mon fils a décidé aujourd'hui de faire la grève de la sieste. Ce qui arrive une fois de temps en temps. Là, il est dans son parc, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire cet épisode. Donc, si vous entendez des cris, des choses comme ça, enfin, j'essaierai de couper et de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop qu'il y a un bébé de 1 an. Il a eu 1 an hier, qui bouge partout. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, etc. Donc voilà, donc bon, on avait dit, on s'était dit qu'il fallait un peu l'ouvrir en direct. Je suis un peu gênée. Désolée, hein. Ça va être un épisode un peu spécial. J'espère que ce sera bien quand même. Alors, oui, j'ai déjà retiré le scotch, hein, parce que c'est le genre de truc qui fait un peu de bruit et qui peut être gênant. Donc déjà, ça commence bien. Bonjour, une jolie carte avec un super... badge. Essayez de pas abîmer. Voilà, bonjour et regardez un super badge. I love, I need love. This love? I need love. Et ça, je pense que ça va aller direct sur un de mes sacs à projet. C'est trop beau. Ça me dit que la lettre est à ouvrir en dernier. Que voilà, numéro par numéro. Donc il y a des numéros. Et j'arrive très très bien à te lire. Sarah, ma petite paupiette. Donc j'avais raison, c'est bien Sarah, ma petite paupiette. Alors déjà, j'adore la carte. Elle va aussi aller dans mon entrée. J'ai un grand panneau où j'ai toutes les jolies cartes. Numéro dernier, donc numéro 9. Donc ça veut dire que je suis gâtée, encore pourrie, gâtée. Alors, on va essayer de mettre ça dans l'ordre. C'est trop. Oh là 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 là, miam. C'est quoi le numéro 6, 5. Oh là là. Ah, j'ai pas de numéro 1. On va le mettre là, le numéro 1. Le numéro 3. Le numéro 2. Oh là 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 là. Le 7. Oh là. Je vois déjà à travers les... Donc elle dit dans son petit mot qu'elle ne sait pas faire des jolis paquets cadeaux. Et du coup, ça me suis recouvert avec du très joli papier de soie. Et je vois à travers déjà. Et... Je suis déjà super émotive, super émue de ce que je vois. Donc autant vous dire que bon, hein, on va essayer, je suis très émotive, hein, faut le savoir. Et je sens que j'ai été pourri gâtée. Sarah, déjà, je te dis merci. Merci d'avoir pris le temps de confectionner ce colis pour moi. Et voilà, enfin déjà rien de l'avoir ouvert, je sens que je suis toute rouge et que j'ai un peu l'émotion qui tremble, hein, je suis désolée. Et enfin bon, je suis pas désolée parce que ça veut dire que déjà je suis très émue. Et bah, je vais m'empresser d'ouvrir tout ça. Je suis trop trop impatiente. Alors, le numéro 1. Ah, donc c'est recouvert d'un joli papier de soie. Hein. C'est pas grave si c'est pas fait avec paquet cadeau. Je suis pas très très douée non plus. Pour ne rien oublier avant de tourner ton podcast. Donc, ça, je pense que ça va être un petit carnet. Et j'adore les petits carnets. Mon mari me dit toujours, mais t'en as 30 millions de carnets. Et parce qu'à chaque fois j'en trouvais un plus beau et tout. Et... Oh, trop bien. Alors déjà, je vois déjà à travers le. Ah, oh, je les adore ces carnets. Ils sont trop 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 beaux.
Carnet des bonnes idées et des projets de génie. Bon, alors ça, c'est juste génial. C'est juste idéal pour tourner, pour... ça va être un épisode complètement fouillis. Je suis vraiment désolée. Carnet des bonnes idées et des idées de génie. Donc ça, pour mettre mes idées du podcast, effectivement, ça va être idéal. Je te promets que j'utiliserai pour mes podcasts. J'adore la couleur, trop bien. C'est des lignes, c'est parfait. J'adore, franchement. C'est le genre de... Je sais plus qui l'ait fait. Mr. Wonderful pour les faire. J'adore, vraiment. Ça, c'est vraiment tout à fait le genre de carnet que j'aime et que je vais clairement utiliser. Super, merci. Je vais dire beaucoup de merci, je vais être un. Donc, bon, je vais garder les mots. Non, c'est bon. Pour l'instant, il reste. Désolée pour les bruits de papier aussi. Alors, deux. Pour aller avec le 1, sois attentif, ce n'est pas un simple objet, mais c'est ton objet. Ok. Ça doit être un stylo. Mais alors, du coup, ça m'intrigue, ce petit avant-goût. Je vais y aller un peu à l'arrache. Hier, j'ai appris à mon fils à détruire des paquets cadeaux. Hein. Moi, j'ai été traumatisée, c'est un gars d'un grand mot, par ma grand-mère quand j'étais petite, qui nous demandait de vraiment faire très très attention en ouvrant les paquets cadeaux parce qu'elle les récupérait pour les anniversaires et les Noëls d'après. Donc, dans ma famille, enfin avec mes sœurs, nous, c'est plutôt en mode on détruit un. Ok, un crayon papier, j'adore. Je jetterai. Ah ouais. Non, je pense pas. Un crayon papier et alors en tout. Oh, mais c'est génial! C'est gravé, c'est top, waouh. Donc bon, ça crée un papier effectivement, et donc je comprends mieux pourquoi elle disait que c'était mon objet. Attendez, regardez. Bon, c'est fait focus sur ma tête forcément. Allez, regardez le Tate of the Universe. C'est génial! Franchement, je suis. C'est gravé en fait, donc en plus, c'est vraiment. Je suis impressionnée! Et ouais, oh, c'est... Alors, j'ai changé mon nom Instagram il n'y a pas longtemps parce que je trouvais que les gens avaient du mal à le retenir, mais Tato's Universe, ça reste toujours pour moi un truc important. J'aimerais bien en faire le nom de mon blog maintenant plutôt que Across My Universe parce que. En fait. Donc voilà, mon blog c'est Across My Universe et moi mon surnom c'est Le Teto et je m'appelle Le Teto dans mes articles et tout. Et quand j'ai ouvert mon Instagram, j'avais vraiment décidé de le dédier au tricot et à mon blog. Donc je m'étais dit, tiens, Le Teto Universe, ce sera pareil. Et effectivement, les gens ont un peu du mal à le prononcer et à le dire. Donc je me suis décidée finalement à mettre que Le Teto pour Instagram, mais j'ai envie de garder Le Teto Universe. Et ouais, enfin, c'est top quoi. Je suis désolée pour les bruits de mon fils qui est en train de jouer dans son parc. Je vais pas le brider, hein, ni en faire une instruction. Pour l'instant, il crie pas, c'est déjà pas mal. Mais alors, ça, je trouve ça top. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et c'est vraiment gravé. Donc, je vais l'utiliser et je pense que je m'arrêterai juste là et le garder. Mon mari va me dire encore que je suis folle, mais c'est génial. Franchement, c'est top. C'est top. En plus, j'adore les crayons à papier. Enfin bref, j'adore les stylos, j'adore la papeterie. Voilà, c'est. Faut pas me lancer dans une papeterie, je peux y rester des heures. Je suis tout émue. Franchement, personnalisée. Enfin, merci Sarah. Merci. Donc voilà. Donc on arrive au numéro 3. C'est inutile, mais tellement mignon. Bon, on n'a jamais assez de choses inutiles et mignonnes. Hein. C'est souvent les choses inutiles qui sont les plus mignonnes, d'ailleurs, j'adore. Genre le truc que j'adore aussi. Oh, j'espère qu'on voit pas trop le bazar derrière. Si, mais complètement. Oh. Je suis vraiment.
Vous voyez à quel point j'ai fait mon truc à la rage. J'ai même pas fait attention au décor derrière. Donc je sais quand même de faire un minimum. Attention. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est trop chou ! C'est des petites aiguilles 3,5 en mini comme ça. C'est des aiguilles à tricoter en petites, mais inutile, pas sûr. Hein. Pas sûr que ce soit inutile. Parce que là, par exemple, pour le Old Romance, que je vais commencer dès que j'aurai fini mon herbarium, j'espère que je suis pas floue. Si je vois, j'ai pas mes lunettes donc je vois rien. Donc, bon, pour les. Il faut faire la dentelle et c'est des bandes de dentelle. Et du coup, bah, je crois qu'elles se tricotent en 3,5 les bandes de dentelle. En 3. Je sais plus. Bref, bon, en tout cas, même si ça peut faire un chouette objet de déco, j'aime beaucoup. C'est très simple, très mignon. J'aime beaucoup, effectivement. Très mignon. Je suis gâtée. Je suis gâtée. Numéro 4, alors je vois déjà à travers. Je sais pas si vous allez voir déjà à travers, mais je crois que c'est. Le tissu est déjà absolument magnifique. Parce qu'il y a toujours un encours à ranger. Ça sent la pochette à projet et le. Oh là là, j'adore le tissu déjà. Oh, c'est super. Magnifique. Waouh! Ah, mais c'est carrément un sac comme ça! Oh, mais incroyable! Ah, moi, je pensais que ce serait une petite pochette et tout, mais non, là, c'est carrément un. Vous avez vu? Carrément un sac. Doublé, entièrement. Oh, c'est génial! Oh, et j'adore le tissu. Le tissu est superbe. Sublime. Oh, très beau. Ah, oh, puis savoir que tu l'as fait pour moi. En pensant. Oui, pour moi. Hein. Génial. Alors, ça, c'est typiquement le genre de sac que j'adore pour quand je vais voyager. Effectivement, j'y mets, je vais y mettre mes tricots quand je pars en voyage. On part en vacances bientôt. On part en vacances bientôt. Donc, je vais y glisser tous mes encours. Que je veux emmener avec moi. Comme ça, je saurais que c'est mon truc à tricot. C'est génial. Vraiment, j'adore. Et vraiment, le choix du tissu est superbe. Ouais. Les petites fleurs comme ça, c'est. Je suis trop jolie. Je suis trop contente. Très, très contente. Vraiment, super. Merci, 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 merci. Merci. C'est génial. Je suis comme une gamine. Alors, le numéro 3, je me souviens. C'était ça le 5? Non, 4. Ah, le numéro 5, c'était un petit. Petit, voilà, numéro 5. Même les plus simples sont toujours utiles. Ok. Même les plus simples sont toujours utiles. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est petit. Mais c'est peut-être le nom. Ok. Ouais, c'est des anneaux marqueurs. Oui, et effectivement, super. Ah, c'est génial. Jamais assez d'anneaux marqueurs. Et ça, c'est bien parce que c'est plusieurs du même, voilà, de la même catégorie. Du coup, pour vraiment, enfin bon, moi, j'aime bien être très organisée pour mes tricots. Et ça, c'est typiquement le genre de. Le genre d'anneau marqueur très très pratique parce que même si c'est pas. Ouais, effectivement, pas les. Ils sont simples, mais au moins ils sont pratiques. Et puis il y en a des tout petits. Et ça pour les petites aiguilles. Genre bah, typiquement pour mon Old Romance, si on peut mettre des anneaux marqueurs au milieu, vous voyez, ils sont mignons, ils sont tout petits. Bah, ça va être très très utile pour bien distinguer la montagne. Parfait. C'est parfait. Il n'y a pas d'autres mots. Des anneaux marqueurs, on va rentrer dans une tricoteuse. Je crois qu'on ne fait pas jamais de faux pas à ce niveau-là. Alors le numéro 6, déjà. Bon, je crois que vu la forme, je crois que c'est un bel écheveau. Pour cet hiver, pour un accessoire anti-froid. Et la couleur. Il y a le paquet qui vient de se déchirer. Oh, j'adore la couleur. Bon, je crois que
crois que mon amour du bleu canard, du bleu vert, etc. n'a pas été. Bah ouais, je vous montre déjà les couleurs, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ah, et puis là, on la voit bien. Oh, j'adore. De la Malabrigo. Oh, Chunky, mais t'es folle. Coloris Touareg. Oh, t'es folle. Regardez la couleur. La couleur est juste magnifique. Oh, elle est douce. J'avais jamais eu de Malabrigo entre les mains. Oh, elle est super douce. Donc c'est de la Malabrigo. Le Malabrigo Chunky, le coloris Touareg. Alors là, vous voyez bien la couleur. Bon, je sais pas si on voit, mais il faudrait que je pense à mettre mes lunettes là. C'est en anglais, je savais pas. Et donc il y a 100 yards pour 100 grammes. Effectivement, sache comment faire un chouette bonnet. Oh, elle est douce. Qu'est-ce que je pourrais me faire? Un snood, peut-être. Alors ça, je vais, enfin, en tout cas, je vais lui trouver un projet, c'est sûr. Je pense que je vais faire comme je fais d'habitude sur Ravelry. Je vais mettre le nombre de mètres que j'ai dans la quantité de lait. Ça, je pense que ça peut faire un snood ou un bonnet. Peut-être un petit snood. Non, peut-être plutôt un bonnet. Ou du bonnet. Je suis trop contente. La couleur est sublime. Il y a plein de variations, cher Fanon. J'espère qu'on voit bien, moi. Que ça ressort bien. Je sais, il fait pas très, très beau. J'avais plus ce matin que ça déjà. Mais... Ah, super. Magnifique. Merci. Ah, merci. Ah, je suis vraiment gâtée. Hein. Ouh, c'est incroyable. Ben, je suis toute émue parce que je trouve ça. Enfin, ouais, c'est mes goûts, c'est tout ce que j'aime. C'est trop sympa. je sais pas d'autres mots. Numéro 7, je pense que c'est du tissu. Et en plus, je vous vois à travers. Pour compléter tes cadeaux de naissance, on m'aide et faire des jolis ensemble. Ça, c'est gentil. Oh là là, j'adore. Je sais pas si je vais faire ça, je pense que je vais me le garder pour moi. Super. Oh là là, j'adore. Regardez. Oh. Alors, je me demande ce que c'est. Bon, je pense que c'est du coton. Ça coûte un peu. Enfin, je pense qu'on peut en faire une jolie jupe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Avec les petits pois. Là, c'est le tissu simple. Mais enfin, à la fois simple, mais aussi qui peut faire un chouette, effectivement, un chouette ensemble. J'adore. Ah, merci Sarah, franchement, là, je suis gâtée, mais c'est un truc de fou. Entre, oh là là, incroyable. Mais ouais, j'adore, enfin, il est beau, il est doux, il est soyeux un peu, il brille un peu, enfin, il brille pas, c'est plutôt mat quand même, mais il est doux, il est beau. Magnifique. Je crois que je vais le garder pour me faire un truc à moi pour changer. Parce que ça, hein, comme ça je pourrais toujours dire. Ah, c'est ma swappeuse qui m'a offert le tissu. J'adore. Merci. Ça, j'arrête pas de regarder des vidéos des podcasteuses là, en ce moment qui ouvrent leur paquet et tout. Et bon. Et là, on arrive au miam. Parce que voilà, hein, dans les règles, il y avait donc pour le podcast, en lien avec les loisirs créatifs, le remède, donc on met ça dans le petit sac. Et il y avait et des gourmandises, parce que sinon, c'est pas vrai. Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit. Parce que c'est un pack qui est un peu plus fort, sinon, je peux... Et c'est un peu le paquet surprise parce qu'à l'intérieur, il y a un peu. Oh, excellent. Alors, voilà, le premier, je pense que c'est parce qu'elle met vraiment les Allemands de loupe quelque chose.
Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, la dernière fois je suis allée en France. Je suis revenue et coucou mon chéri. Et quand je suis rentrée, au départ je m'étais dit non, je vais pas m'acheter de bonbons parce que voilà. Mais en fait, mes bonbons préférés c'est les dragibus. Et voilà, là je vois les paquets. Et je ne sais pas si vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais tous les Haribo n'existent pas dans tous les pays. Il y a toujours un bonbon spécifique par pays qui n'existe pas dans les autres. Et en fait, les dragibus n'existent pas en Allemagne. Et en Allemagne, on a les grenouilles, les froches, les grenouilles vertes, qu'on ne trouve pas en France. Ma sœur est fan des grenouilles, et du coup, je lui en ramène à chaque fois que je vais la voir. Et moi, je suis fan des dragibus. Et du coup, on m'en ramène à chaque fois. Et merci. Là, je crois que tu pouvais pas me faire tout plaisir. Là, il va falloir que je les plante, parce que sinon, mon mari va me piquer. J'adore. Ouais, vous dites à la gamine, ouais, bah, c'est moi. 4 paquets de dragibus, ah c'est trop bien. Merci. Je suis tout aussi contente pour des paquets de dragibus que pour de là, mais je suis complètement pas moi. Alors là, ça m'intrigue beaucoup de j'ouvrir celui-là, parce qu'il n'y a pas que le chocolat, que la marmotte dans le papier d'alu. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, bon, alors j'explique pourquoi je suis excitée par rapport au dragibus, parce que franchement, ça veut dire que t'es allée sur mon Instagram, c'est-à-dire que t'as vraiment regardé et tout, et que t'as. Enfin, ouais, et c'est pour ça, ça me touche beaucoup. Mais je préfère quand même la laine, hein. Parce que la laine, ça va être durable, alors que les dragibus, ils vont être juste en ligne. Ah, super. Les deux marmots, je connais pas. Infusion délices fruitées des deux marmots. Mais je connais pas. Trop bien. Pomme, hibiscus, mûre, feuilles, groseille, jus de cerise. Ah, trop bien. Ah, ça va être bien ça. Le soir, en regardant les podcasts avec mon tricot. Ça va faire le focus. Et dingue d'infusion aux fruits iront même jusqu'à servir frappé. Alors attendez, je vous laisse. Bon, je suis vraiment désolée, en fait, on a été coupé parce que, en fait, je vis au rez-de-chaussée et j'ai une amie qui vit dans un immeuble juste à côté et qui passait à côté de chez moi, donc elle a toqué pour discuter un peu. Donc je ne sais plus du tout j'en étais, je crois que j'étais en train de finir de vous montrer les super tisanes aux fruits, délices fruités, qui vont donc accompagner mes petites soirées quand je vais les regarder mes podcasts. Donc en plus, il y a une petite explication des deux marmottes avec tous les goûts derrière. Super, vraiment merci. Bon, alors du coup, l'excitation va pas retomber. Ça va revenir, parce qu'il y a le dernier petit paquet. Made in les Alpes. Donc, ça c'est cool. Une petite spécialité de chez toi. Vu ton petit accent, je pense qu'il y a des spécialités. Oh là là là. C'est pareil, il va falloir que je le plante. Saveur des montagnes. Noix du dauphiné au chocolat. J'adore. Et j'adore les noix. Pendant ma grossesse, je me suis gavée de noix. J'aime tellement ça. Alors, je l'ai jamais dit. Et là, t'es tombée pile poil. Pile poil dans mes goûts, quoi. De la noix, des noix et du chocolat. Regarde, c'est génial. Oh. Oh. J'adore. Merci. Oh. Franchement, merci. Mais je suis trop gâtée. Trop gâtée. Merci. Bah, franchement. Là, je re-regarde mes cadeaux là. Je re-regarde et je me dis, mais waouh quoi. Merci. Vraiment. Ça va être. Ça va être vite mangé. Faut que je le plante. Mon mari va trop vouloir me l'expliquer. Donc voilà. J'ai ouvert mes tiens. Oh, merci. Eh, je suis gâtée. Hein. Je suis vraiment. Ouais, merci. Voilà, bon, il y a une petite carte maintenant. Ok. Alors, je pense que c'est l'explication des. Allez, en dernier. Que je vais voir.
elle a vécu à côté de Francfort. Wow! Ah, c'est marrant! À Gießen? C'est ça, hein? Si j'arrive bien à lire. Wow! C'est rare que je rencontre des gens du sud qui ont vécu à Francfort. Alors, elle me donne des petites explications sur le cahier. Donc, le crayon papier avec mon pseudo gravé dessus, c'est ouais, le sac. Oui, j'ai un bébé qui commence à marcher, donc elle me... Voilà, bon, maintenant, je peux vous dire, hein, je pense. Ça, ça ne dérange pas Sarah si je dis. Donc, elle dit pour le sac, vu que tu as un bébé qui commence à marcher, oui, ça fait 15 jours qu'il marche, ça y est. Je me suis dit que c'était plus prudent d'en faire un avec fermeture éclair. Il adore les fermetures éclair. Mais bon, il ne sait pas encore trop bien les ouvrir. La laine est plus une laine d'hiver. Au moins, tu penseras à moi cet hiver. Ouais. Alors, les chunky, en plus, moi, je tricote beaucoup le chunky. Je découvre le fingering au fur et à mesure maintenant avec les podcasts. Avant, je n'avais jamais tricoté de laine fine. Et ça, c'est typiquement le genre de laine que j'aime. Donc, vraiment, ta visée est juste et la couleur est juste absolument sublime. Je voulais trouver jolis anneaux marqueurs, mais je n'ai pas trouvé. J'en ai quand même mis des classiques. C'est toujours utile. Et complètement. Et pour le coupon, j'ai pensé à tenir. Super. Et il vient de t'installer. Bon, c'est pas de. Très joli. J'aime beaucoup le tissu. Et super. Voilà. Bah oui. Tu finis en demandant si. Enfin, en disant que tu espères que tu as réussi à me faire plaisir. Et je te l'ai dit, tu m'as fait un immense plaisir. Pour moi, cette aventure du soir, ça a été vraiment une très très jolie aventure parce que j'ai découvert plein de nouveaux podcasts. Bon, le tien, je le connaissais déjà. Je te regarde à chaque fois. J'aime beaucoup tes podcasts. Je te ferai très vivant tes trois. Ça, je pourrais te le dire en message privé. Ce sera mieux que quelqu'un qui m'aimerait à interposer. Oui, ça m'a permis aussi. Enfin, moi, le mien de paquet est parti avant-hier. Il devrait arriver demain ou après-demain. J'espère. J'ai hâte de voir ma swappée ouvrir aussi ces petits paquets et j'espère que je lui aurai fait plaisir. Et franchement, Sarah, merci parce que t'as visé tout me plaît, tout correspond à mes goûts, tout correspond à moi. Tout, enfin, c'est vraiment super. Et ce soir, bah, je vais me faire une petite tisane fruitée. Je vais me prendre quelques petites noix au chocolat dans mon petit mug. Et puis, je vais profiter un peu de tout ça. Et je vais regarder un joli projet que je peux faire avec ta belle-mère. Mon fils aussi est complètement excité. Hein. Et voilà, et je vais m'empresser de mettre certains de mes encours dans ce magnifique sac. Et voilà, et je suis trop contente, j'ai été trop gâtée. Et merci mille fois. Merci, vraiment. Et donc aussi, merci à Aglaé et à Amélie à Gécouture pour l'organisation de ce swap. Ça a été vraiment une très 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 jolie expérience. Ça m'a beaucoup plu, moi aussi, de faire mon paquet, de re-regarder les épisodes de ma swappée, de checker son Instagram, de faire ma petite enquête, etc. Et puis bah, de faire ma petite enquête aussi pour savoir qui était ma swappée pour moi. Je suis vraiment désolée pour les poules bébés derrière, mais je pouvais pas attendre pour ouvrir mon colis. Maintenant, j'espère que je suis pas floue, j'espère que j'ai bien fait attention à toi. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est un épisode un peu spécial. Je vais faire le montage juste après et j'essaie de le mettre en ligne très très vite pour vous montrer tout ça et merci encore, à très bientôt, hein, parce que bon ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné mais j'avance bien mes encours et que j'avais l'intention de tourner la semaine prochaine, début de semaine prochaine, j'espère que je vais pouvoir... trouver le temps, voilà. Bon, je vais aller m'occuper de mon bébé qui commence à un petit peu perdre patience. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très vite pour un épisode un peu plus classique de mon podcast. À bientôt.